Hey, salut à tous, ici c'est Segalix, bienvenue sur A Plague Tale. Donc, nous y voici, on arrive devant la cathédrale, et du coup, on a repris, pile poil, on l'a arrêté sur la vidéo précédente, hein. J'ai fait le dernier chapitre en deux vidéos, dans la crainte de que ça durait trop longtemps, hein. Je sais pas ce qui va se passer dans l'église. Allez, sans plus attendre, on est parti! Attendez! Lucas! Mélie! Restez où vous êtes! Vous allez mourir si vous descendez! Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y! D'accord. Comment te dire? Les rats ne veulent pas sortir? Bon. On va recommencer, effectivement. Maman est là-dedans. Maman est là-dedans. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Alors, il paraît que les enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Qu'importe. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Bon, les archers, c'est réglé. Ok. Merde. Voilà, produc. Oh, cette musique dans les oreilles, elle est terrible. Hein. Ah bah oui, hein, depuis le temps que j'ai envie d'y aller. Let's go. Heureusement qu'ils sont là, ces rats, sinon. Ça serait la mort. Tu parles d'une famille. Effectivement. Aidez-moi. Plus personne ne peut entrer. Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice. Maman! Mon enfant. Hugo! Amicia! Mère! C'est Vitalis qui a fait ça. Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil! Fuyez! Sortez d'ici! Ah, pour l'amour du ciel. Hugo, tu es prêt? Oui, ils sont là. Alors on y va. Reste près de moi. On vient avec vous. Moi. Lâchez-la, Vitalis. C'est votre dernière chance. Hugo, ton pouvoir. Je vais bien, t'inquiète pas. Mais oui, Béatrice. C'est un élève doué. Dommage. Et qui lui a enseigné tout ce qu'il sait. Ferme-la, Dieu! On est plus blessé, pas écouter tes discours! Et pourtant, regardez-vous, marchant vers moi comme des brebis carrés vers leur berger. Ça suffit, Vitalis! Vous êtes seul! Rendez-nous notre mère, ou bien... Ou bien quoi, jeune fille? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs, ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchant. Merci. Merci pour votre candeur. Les entendez-vous? Les anges. Les anges du nouveau monde. Reculez! Lumière, j'ai vu. Lucas, Mélie, restez là. Non, je
bleu. Ok. Rassemblez-vous et avancez. Qu'est-ce que... Ils les regroupent. Merde. Oh putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait les rats blancs devant. Merde. Regroupez-vous donc et déferlez sur eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ils les regroupent. Ils s'arrêtent pas. La lumière les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment? On doit essayer. C'est notre seule chance. Regardez s'éteindre ce qui reste de votre vie. Laissez-les ! Ce sont des enfants ! Oh ! Ce sont les reliques de l'ancien. Arrêtez ça ! Ok. Vous êtes merde. Ok, allez, encore une petite dernière là. Oh putain! Mais non! Oh la pute! Oh là 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 là. Ok. Unissez-vous pour les dévorer! La lumière les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça. Vraiment, on doit essayer. C'est notre seule chance. Me défier. Moi, Vitalis Bénévent, porteur de la prima macula. Incroyable. Oui, bravo Hugo. On va lui montrer. Regardez, Béatrice. Regardez s'éteindre ce qui reste de votre ligne. Bon, allez, viens là, je peux s'éteindre le feu. Oh, ce sont les reliques de l'ancien. Arrêtez ça! Regardez! Ok. Vous
avez abandonné vos fidèles. Vous avez massacré des innocents. Le vieux monde doit mourir pour que naisse le bien. Voilà pourquoi les rats le dévorent. Vous savez rien du tout. La Machina est au-dessous de vous. Elle joue avec vous. Écoutez-le. La Machina voyage dans votre sang. Elle lit dans votre cœur. Vous allez créer un monde de chaos. Rendez-nous notre maître. On va prendre ça. Mais merde, Léo! Ah non, putain, j'ai visé dessus! Ah la merde! Oh putain, s'il faut tout recommencer, c'est la grosse merde. Oh, c'est la grosse merde. Mêlez vos forces et déchaînez-vous! Qu'est-ce que. Ils les regroupent! Ils s'arrêtent pas! Vous la lumière les arrête pas! Non, je suis trop loin. Vraiment? On doit essayer! C'est notre seule chance! Couronné par le sang. C'est le sang de mon frère. Vous êtes un mutant. Incroyable. Oui, bravo Hugo. On va lui montrer. Regardez, Béatrice. Regardez s'éteindre ce qui reste de votre lignée. Laissez-les. Ce sont des enfants. Faux. Ce sont les reliques de l'ancien. Arrêtez ça. Ok, j'avais peut-être avancé trop vite en fait tout à l'heure. Oh bah dis donc, enfin. Il ne doit pas abuser de son pouvoir. On va vous sortir de là. On s'en occupe. Hugo, tu le sens aussi, n'est-ce pas? Mais tu en as peur. Le vrai pouvoir. Le don de soi. Oi, 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 oi. Je suis l'unité. Je suis le sang des sangs qui relie tous les peuples. Reculez. Restez avec Hugo. Courez. Redevenez un. Et mes serviteurs s'élèveront vers le Merde, vous avez pas pris de dé. Ok, donc en fait il va falloir qu'on l'occupe sûrement pendant que le petit Hugo s'en charge. Alors, si c'est que ça, je pense que ça devrait aller. Ouais.
trop sur la vieille Revenez. Ouais, ça doit être ça. Ne formons plus qu'un. Maintenant, Hugo, ne le rate pas. Allez, ok. Voilà. D'accord, je vais les attirer sur les côtés. Je suis le bras armé de la macule. L'épée. Cucu, cucu, cucu. S'élèveront vers le firmament. Vous vous nourrirez bientôt. Oh, pas mes rats. Revenez. Il n'a plus de rats pour me protéger. T'as, je t'en vais me dire, putain, si je peux envoyer une pierre dans la gueule. Mais oui. Tiens, tête d'Iguine. C'est impossible. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Oh tiens, rien que pour le plaisir. Venez nourrir le premier sang dans la certitude. Bah, je fais que ça. Sortez. Ah non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était pas prévu au programme, cette bête là. Ok. Ok, c'est quoi ce délire? Ok, donc je ne peux pas passer. Ok, oui, en fait, moi je fonçais tête baissée dans les rames, mais il fallait pas. Quoi. Comme un couillon. Ce n'est pas fini. Compris, vous les attirez sur les bords. Et mes serviteurs s'élèveront vers le firmament. Ok, donc là on fait pareil. Et on court. Je m'arrête là. Et là je lui dis allez, attaque le tête d'équine. Ok. Ah oui, ok, d'accord, oui. Ok. Oh putain, j'avais pas compris. J'étais pas au bon endroit. Ah putain. Ouvrez. Redevenez un.
Revenez vers votre mère. Mais merde. Eh putain, mais t'es con ou quoi? Oh, je l'ai raté. Non, le blaireau. Je suis le bras armé de la Macula. Comment que je vais? Il est bien gentil lui. Putain, je suis où là? Ah non, non, non! Putain, j'y étais! Ah
Mais putain, c'est un truc de dingue là. Comment te dire, comment ça me casse un peu les pieds là. Oh merde!
les deux. Ah mais merde, mais sans déconner, j'arrive pas. Hein. Cette partie-là, ça me casse les couilles. En fait, il faut que je me rapproche du bord. Putain, mais sans déconner. Ce serait pas plus simple là que ça dans ma ligne. Ça me gaffe tellement que quand je vais arriver à passer le bordel, je vais être en pleine panique. Encore un effort, hein. Rien que ça. De kick de merde. Ouais. J'ai sacrifié ma chair pour devenir le creuset. Vous tous unis. Non, 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 putain.
Sérieux. J'essaie de me concentrer, putain. Je sais, putain. Faut juste éviter les bordels, quoi. Voilà. Là, il va me recasser les couilles. Voilà. Tourner autour de moi. Du coup, voilà. Mais là, comment veux-tu que je me barre, putain? Je suis coincé. Ah, je comprends pas. Je vois que bon, c'est Putain. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé les yeux, j'appuie sur le bouton, qu'est-ce que j'ai fait? Et merde. Bon, dis-moi que je reprends là où j'en suis. Quel couillon. Non, c'est pas possible. C'est pas possible.
Ok, donc là, s'il me fait reprendre depuis le début du chapitre, je pète un plomb. Gros moment de solitude. Non. Ok, putain de merde. Allez. Ça me donnait chaud ce jeu. Des flots d'anges s'abattront sur la vieille chair. Ok, allez. Ensuite on attaque. Allez, prends ça dans ta trousse. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang dans la certitude. Attention. La différence avec tout à l'heure, c'est qu'à ce moment-là, en fait, il va me renvoyer une deuxième trompe dans la gueule. Il faut que j'évite avant de lui d'essayer d'éteindre le feu. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Du coup, je fais pas la bonne option, j'essaie toujours d'éteindre le feu. Donc, on va faire comme ça. Ouais, je sais, reste pas là, reste pas là, reste pas là. Que je fais là, t'es bien gentil toi, mais sérieux, mais comment qui veut que je me barre là, putain. Qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe, mais quoi? Déconne. Comment?
là maintenant. C'est peut-être la solution. Ah, j'ai pas pensé à ça. Non. Ça marche ça ou pas? Oh le con, si c'est ça. Le con, si c'est ça. Comment putain? Je peux pas. Et je vais péter un plomb là. Redevenez un...
tireront vers le firmament. Revenez. Qu'est-ce que c'est que ce délire, putain? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Un truc tout con de merde, ça se trouve. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang dans la certitude. Éloigne-toi. Ah putain, je crois que j'ai compris. Merde. Putain, je crois... Non. J'ai chaud là, j'ai enlevé ma veste. Je crois que j'ai peut-être compris. Voilà. Veste enlevée. Allez. Par contre, ce qui est impossible, c'est qu'on me casse les pieds autant pour un putain de boss comme toi, tête de kin. Éloigne-toi. Sérieux. Le mec, il va se mettre là où il n'y a pas de place. Alors, ta-ta-ta-ta-ta. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Ça commence à bien faire. Revenez vers votre mère. Amicia, c'est maintenant qu'il faut frapper. Non, c'est impossible. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang dans la certitude. Bon, vous croyez qu'on va arriver avant l'heure de vidéo ? Catastrophe. Et mes serviteurs s'élèveront vers le firmament. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang dans la certitude. Éloigne-toi. Sortez. Regardez en renaissant.
merde, putain. Trop con. Bon. Allez, on est parti. Ok. Allez, on fait les ravitaillements pour tout à l'heure. Allez, monte ta tronche que je te lance une petite caillasse dans le pif. Ok. C'est impossible. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang. Mais viens voir là. Cucu. Allez, hop. Par ici, cucu, 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 cucu. Mais putain, non, oh non, je suis resté pas au bon endroit, ça m'énerve. Je pense que la stratégie était la bonne. Il nous aura fallu presque une heure pour la trouver, mais bon, à part ça, tout va bien. Allez, hop, hop, vas-y. Des pêches. Je sais qu'ils s'en dépensent. Sans défense. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier. Eh bien là. Dans la certitude. Ah merde, putain, je vais faire sortir au milieu. Non, c'est bon quand même. Tiens ta face. Allez. Ouais ouais. J'y compte bien mon petit Hugo. Sortez. Je
Oh oui, oh oui. Oh, dis-moi que c'est bon. Putain, dites-moi que c'est la fin. Calamité. Studio magnifique, très beau bleu. Donc il y a rien à redire hein, pour un petit jeu français. On a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises, hein, de beauté du jeu. Moi je me suis régalé. Bon, c'était un peu compliqué sur le boss de fin là où je prenais pas la bonne stratégie. J'ai capté un peu tardivement. Je verrai si je peux faire une coupure pour essayer de vous éviter tout ça. Mais en attendant, j'espère tout de même que ce let's play vous aura plu. Hein, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un gros like et puis à partager. Moi en tout cas, je me suis éclaté. C'était nickel. Et je vous dis à bientôt sur d'autres let's play. Et merci à vous pour ceux qui m'ont suivi tout au long de ce let's play. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bye bye. C'était Segalix.